suite de ce journal des invités, en tout cas des invités de marque. Il s'agit de Lord Ekomindong et Matt Seigneur Lyon qui effectuent leur grand retour sur la scène locale avec l'annuel show du pays demain à Gabon Expo. Bonsoir. Comment allez-vous? Et merci d'avoir accepté dans notre invitation. Matt, Lord Ekomindong, Matt Seigneur Lyon, mauvaise haleine. Présent, c'est un plaisir. Après deux années de silence, c'est le grand retour. Oui, c'est le grand retour après deux années de silence. C'était un événement attendu. Et voilà, on le tient cette année. D'accord. Il s'agit là donc en fait de la 7e édition qui prévoit un spectacle en 3 parties, Matt. C'est ça. Alors oui, un spectacle en 3 parties demain, samedi, dès 20h à Gabon Expo. Une première partie qui est comme une sorte de tremplin pour un certain type d'artistes qui n'ont pas d'autre occasion que celle-là de jouer devant 10 000 personnes. Une deuxième partie avec des artistes déjà qui sont un peu plus connus, qui souvent travaillent avec nous. D'accord. Et la troisième partie où ce sera mauvaise haleine. Mauvaise haleine. Alors c'était un événement en fait qui annonce également la sortie donc de Ibogaine, le prochain album solo de Lord Ekomindong, la star des jeunes. Hein. En tout cas, les jeunes vous adorent. Il n'y a pas que les jeunes, hein, même les vieux même. Même les vieux, c'est vrai. Parce que vos textes sont très intéressants. Merci encore. Ibogaine sort donc en même temps que le spectacle, c'est le jour du spectacle en fait, le 3 septembre à Gabon Expo. Demain. Et le 3 septembre justement, ce sera l'occasion de vivre Ibogaine en live et de la voir sur un support CD. Il y aura plein de produits dérivés qui vont être vendus, CD, t-shirts, et voilà. Donc, et c'est à quelle heure exactement? C'est à partir de 20h, mais 20h précises. 20h précises. Ouais, 20h précises. Vous savez que vous êtes très apprécié, même des jeunes enfants. Vous n'avez pas pensé à un autre spectacle, peut-être dans l'après-midi, pour ces jeunes-là? Ce ne sera pas possible pour cette fois, mais effectivement, on y réfléchit. Peut-être même à une version qui s'adresserait aux tout petits. D'accord. Et comment ça se passe en France pour vous? On travaille. De plus en plus de connexions se créent. En fait, on travaille à l'internationalisation de, si je peux dire, comme ça. De notre musique, c'est ce qui justifie d'ailleurs notre absence. Mais il y a des pas qui sont en train de se faire, petit à petit. D'accord. Ben, écoutez, donc on se retrouve demain à 20h à Gabon Expo. Vous êtes invité. Et... Ah, merci beaucoup. Mais si vous n'êtes pas là, on annule. Non, je serai là. Je serai là. Et toute l'équipe d'ailleurs. D'accord. Ben, on se retrouve donc demain. Demain. Bonne fin de soirée. Et moi, je continue le journal parce que mon réalisateur est en train de me faire de grands signes. Merci, à demain. Bonne soirée. La suite donc du journal. Les PDGistes du Como Congo vont se mettre en ordre de bataille. Ainsi, le doyen et membre du bureau politique du PDG de cette localité, le docteur Paulin Obama Nguema, a mandaté le député du deuxième